Tu fais quoi là? Je bois. Ah ouais, il pleut. Il y a de l'eau potable. Viens, on rentre, il va faire froid. Tu vas attraper froid. C'était un bon début? Ouais. J'invente ce que je peux. Hein. C'est l'épisode 18? Ouais. Non, 19. Bonsoir les gens. Non, 18. 18? Ouais, 18. T'es sûr? Ouais. Et commence pas à foutre la chemala dans la série, toi. Et moi j'ai toujours été intéressé par le moteur. Le moteur. Un de mes sketchs préférés. Je ne dirai pas de qui, c'est un mardi. En attente. Quelqu'un n'est pas fatigué. Ouais, il y a un cousin qui doit foutre la merde là. Non. C'est quoi ce bruit? T'allumes une bougie? Ouais, j'ai allumé les bougies parce qu'il faisait un peu trop noir. Ah, excellent, c'est une belle journée. Et regardez! Un peu d'ici! Oh, il va lâcher un truc. Une caisse. je suis dans l'eau, rien à foutre. Ouais, moi aussi. Dans l'eau. On est des fous. Oh putain, non merde, c'est pas, y a pas d'eau. Oh putain, attends. Y a pas un truc en sac plastique. Attends, de l'autre côté, y a moyen. Je me suis écrasé la tronche. Ouais, l'autre côté, ça passe crème. Ouais. J'arrive, Jack. Ouais, je peux te dire que ça passe pas crème. Hein. Ici, ça passe crème. Ici, côté, passe crème. Oh putain. Chose d'ici. Merde, elle est partie où la caisse? Là-bas, hein? Ouais, tout droit. Le village là-bas, ouais. Ouais, truc bleu là. Attends, je vais prendre une arme contendante. Et elle, j'ai réparé ma vraie scie. C'est parti. Putain, lui aussi il coule. Ouais. Et il nous suit le con. Oh le. Là. Toute la sainte journée. Là, je suis soufflé en plus. Oh, tu connais cette ferme ici à gauche, Jack? Attends, ouais. Je vais aller fourrer, hein. Moi, je te jure que j'y retourne pas. Hein. Ah ouais. Oh. Tiens, prends ça! Ta gueule! Putain! Non, mais qui tire là? C'est pas moi, c'est eux! Là, jusqu'à présent, ça passait crème, maintenant on va tous se faire dégommer. C'est bon. Oh oh! Tout va bien. T'as déconné. Je fous contre les caisses et je bouge plus. Oh! Putain, elle esquive tout, hein. Oh putain, ça jaillit. On dirait un geyser, ça coupe son cou. Oh. Ah fusée. Oh, des fusées pour aller dans les nids. Kravitz. Oh putain. On retourne chez Jarzel. Tu vas dans qui tu veux, hein, Fion. Ça ne regarde pas. Moi, je dis plus rien. Je peux plus rien dire, Hugo. Ouais, si. On va à pied jusque chez Zazir. C'est loin, non? Ouais, quand même. Quand même, chier, putain, ouais, 5000 km là. Faut appeler les voitures. Hein. Ouais, mais on peut pas les appeler d'ici. Attends. Ouais, c'est pas si loin, quoi, si? Ah, ouais, c'est si loin. Ah, mais on peut appeler les voitures de là-bas, tiens. Attends, je vais mettre un point. On va là, au point vert. Ah ouais, tiens. C'est une safe zone. Ah oui, c'est vrai, c'était pas loin, faites putain. Faites gaffe. Quelqu'un sur la route. Mes frères. Roger, on s'en fout. C'est bon, on est dans la safe zone. Pourquoi ça pète toujours quand on arrive, ces trucs-là? Ah, c'est parce qu'il y a les zombies qui s'extasient devant. Oh putain! Il y a du monde. Ouais. Où ça? Ici. Ah, c'est ça, la safe zone. 2-3 caravanes et un pot de yaourt. Oh putain, il y a du monde, hein. Ouais. Mais au moins on peut appeler nos véhicules de la caravane. Au secours. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien, tout va bien. Oh merde. C'est les voisins qui sont venus nous souhaiter la bienvenue. Mm-hmm. On va où en fait? Ah ouais, on va chez Jazar. Jazar. Je veux pas, c'est pas la mienne je crois. Ouais. Ça roule. Ça roule. Il y a une route là. Casse-toi la barrière. On monte par là. Oh, peut-être que c'était pas une bonne idée. Sur la pièce. C'était pas une bonne idée. On allait pas monter par là. Oh putain. Ouais, c'est galère ici. Je parle pas des chocolats. Bon, je redescends, ça craint trop. Oh merde, où est la route? Where's the road? Please the road, Jack. Ah. Oh, c'est une sorte de petit chemin. Non, ça passe. Là, il y a une route. Ça passe crème. Ouh. Regarde-moi ça, c'est pas l'autre. Oh là là.
pilote of the Hunt 2015. Jazir, direction. Putain la gueule, ouais, tu m'as touché, je vais faire. Casse-toi, toi. De toute façon, l'acide. Oh putain, ça va péter. Oh putain, frère. Putain, toutes les lunettes. Bon, tu crois qu'on y arrive en chaud? En suivant cette route? Ouais, normalement, ouais. Hein. Ah, parce que là, c'est derrière nous, là. Ah, ouais, ça tourne. Que franchement, le hors-piste dans ce jeu, c'est galère. Hein. À fond. Ouais, ici, je reconnais. Oh putain. Tout droit. Oh, sa mère! Putain, je l'ai dit. On avance plus, vieux. Oh, le. Instinct de survie, c'est quoi cette merde? C'est ça. Ah, voilà! Ah, ça te montre le point. Il est forcément quelque part. La ferme, Tolga, tu vas le perturber. Oh, il m'énerve ces deux-là. Encore vous. Quoi de neuf? Oh, je vous ai rejoint, à l'aise. Oh, ça crame. C'est pas nous qui t'avons rejoint? Non. Oui. On s'est rejoint, quoi. T'as un banc? Oh. Ah, comment je nous ai garé à la. À la wall again. Ah, c'est pas mon pays, ça le tient. C'est qui est pourri. Ouais, repartout. Excellent. Ouais. Et les nouveaux. Et les roues, lui. Là, là-bas. Il a toujours pas bougé depuis le début. De... Ah, si, il a bougé. Putain, c'est le maître soleil, là. Oh merde. Le roi soleil. C'est bon de te revoir, frère. Mais hélas, je suis porteur de bien tristes nouvelles. Oh là. J'ai l'habitude. Qu'est-ce qui se passe ici? Kyle, tu le savais déjà, n'est-ce pas? Que les gens qui ne sont pas infectés, c'est juste un écran de fumée. Ah. D'ailleurs, c'est littéralement de la fumée. Notre mère a trouvé un moyen de combattre la maladie grâce à une sorte d'élixir. Tu as vu ses effets de tes propres yeux. Donc vous avez bien un remède? Un bandage soigne-t-il une plaie ouverte? Non. Nous disposons simplement d'une solution temporaire. Nous travaillons sur un projet curatif, c'est vrai. Quelque chose de plus permanent. Mais nous avons besoin de temps, et que la paix dure un peu plus longtemps. Je parie donc que vous n'avez presque plus d'élixir. C'est hélas le cas. Mmh. C'est pour ça que tu es ici. Je veux te proposer un marché. Trouve-en je plus, préfère courir. Et nous t'en laisserons une bonne partie. La mère t'apprendra à l'utiliser. Tu pourras repartir à Aran avec ton prix. Ah. Ou bien choisir de rester avec nous. J'ai l'impression que vous savez où je dois chercher. Nous avons envoyé beaucoup de frères à sa recherche. Et nous avons récemment perdu le contact avec trois d'entre eux. Ils devaient fouiller une grotte. Ah, putain. Si tu as vu la brume, ce n'est pas une coïncidence. Du produit a dû s'échapper. On dirait bien que quelqu'un a trouvé l'élixir et l'a emporté. Ah. Très bien. Allez voir la grotte. C'est compris. Bon courage, frère. J'espère que tu rapporteras de bonnes nouvelles. T'inquiète. Bien sûr. Oh là 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 là. Oh là là. La grotte, les mecs, pour l'élixir. Voilà, impeccable. Tu veux ça, c'est du hachoir. Oh, il y a une botte de baseball de l'équipe de je sais pas de Kentucky là. Impeccable. Voyeuriste. Fais gaffe. Faites-moi ça. Oh, putain. Tu fous. Ah, je t'ai coincé, quoi. Elle bouffe la bagnole, regarde. Oh le. Elle bouffe le pneu l'autre. Oh joli. Je sais pas ce que tu as mis. Il y a mais... des trucs de ouf là. Regarde ça. Oh. Tiens. Oh. Right. Quoi? T'as des des bandages? Ouais, pourquoi? Avec toi. Ah ouais, j'avais pas vu. Attends, je prends mes fusées. Oh putain, il fait dégueulasse ici. Et il y a des armes. Oh putain, c'est... elle est tombée la pauvre. La pauvre. Oh putain. Oups. Ah ouais. Oh, c'est énorme. Oh putain, c'est quoi ce bordel ici? T'as des boum boum sur toi, Phil? Non, c'est des flèches pétantes. Ah ouais, c'est ça que je dis, t'as des boum boum. Ah ouais, j'en ai plein aussi. Oh mais j'en ai plus. Toxique, impact et étourdissant. Qu'est-ce que j'ai? Impact. Descendre. Putain, y'a une. Y'a un... quoi? Y'a comme un problème. Ah ouais, sérieux.
parce que... Ah non. Moi je te dis ça passe. Attends. Léa. Attends. Quoi? Ouh. Youhou. Ah. Aïe. Ça passe. Qu'est-ce que je fous en bas? Oui. J'ai raté mon saut? Faut croire. J'aurais juré que je passais. Bon, je descends. Ouais. Bah ouais, je vais peut-être descendre. Hein. Mais il y a un autre chemin. Oh, ouais, moi je descends. C'est pas un chemin, ça. Eh, mais il y a un autre chemin ici. Qui mène vers une clairière. Il est où? Ouais, c'est un cul-de-sac. Oh putain. Où est-ce qu'on le voit ici? Ouais, je la sens pas. Non. Vas-y, allez. Putain, j'ai encore gueulé comme un putain, mon vieux. Y'a pas de rapace. Regardez, y'a encore une canette de coca là. SOS. Ah, fouillez le convoi militaire. SMS. Runner. Oh. Hé, regardez, y'a un enfant du soleil mort. En voici un. Oh. Mais il est vide. Les produits sont intacts. Parfait, il est où? Quoi, des galeries? Une note. Y'a une note ici. Ah ouais. Je ramasse toutes les grenades, j'en ai rien à foutre. Oh putain, c'est quoi ça? Oh, c'est toi. Putain. T'es balèze, vu d'en bas. Ouh, ça fait peur cette mission. À fond. Puis il nous donne beaucoup de grenades aussi. Ouais. Je crois que la petite surprise dont nous parlait je sais plus qui sur la chaîne, ça va arriver. Ah ouais, c'est possible. Putain, c'est quoi cette vue? Eh, on est où là? Je sais pas, mais... On n'a pas fouillé tout ce qu'il fallait. Ouais, il manque un truc, hein. Voire deux. Ou plus. Derrière. Tiens. Ah, là-haut, non? Pas touché à tout ça, là? C'est quoi de nouveau la lampe? Ah. L. Chez moi, c'est merde. T. Attends. On a trouvé une note. Ouais, une note seulement. Faut pas la regarder ou je sais pas, non? Oh, y'a encore une grenade maison ici. Mais elle sert pas ou quoi? Ouais, c'est bizarre. Ah, mais attends, y'a encore un mec du soleil ici. Faut le retourner. Ok, le deuxième est mort aussi, sans surprise. Voilà. C'est bon. Hey, tu m'entends? Je suis dans la grotte et j'ai trouvé deux de tes frères. Morts. J'ai aussi entendu un appel de détresse. Ils parlaient de produits qui sont plus là. Ah! Ils ont donc été volés. Très bien. Enlève-toi. Poursuite des recherches. Nous allons essayer de trouver des informations sur le troisième frère. Faites attention aux uniformes orange ou à un symbole. Trois bandes horizontales. Pardon. Les bandits qui sont ici, ce sont les hommes de Raïs. Pire que les zombies. Ce qui est arrivé à Aran est principalement leur faute. Oh. Cette information sera très utile. Oh. Ouais, je la sens pas là. Bon, en même temps, venir ici pour retourner 3 pélos, c'est un peu chelou, hein. Tiens. Oh, je fouillais 200 à l'heure maintenant. J'ai pris la compétence. Une fraction de seconde et je te fouille le bazar. Plutôt plaisant. Par contre, ces flèches-là, évidemment, une fois qu'elles sont pétées, elles sont pétées. Quoi. Ouais. Bon, on retourne à l'enfant du soleil, là. Putain, c'est à qui ce buggy, fieu? Ouais, c'est à qui ça? Ouais, bah le tien, il est rouge de chez rouge, hein, fieu. Ouais? Ouais, putain, il y a tout qui clignote. Parle. On dirait un sapin de Noël. Oh, rouge, ça veut dire que t'as touché un mur ou un truc comme ça?
Ouais, ça clignote en permanence. Allez. On doit aller chez qui là? Faut aider les enfants du soleil, je vais activer une autre quête. Bah, il dit qu'on doit aller livrer la caisse à Bilal. Ah bah on peut aller faire ça ouais. Ouais, je sais pas. C'est où Bilal? Crane, nous avons perdu le contact avec une personne chargée d'une tâche spéciale pour la mer. Ah. Nous voudrions que vous le trouviez et... Que je l'aide si besoin. Oui, s'il vous plaît. La mer aimerait beaucoup que cet homme finisse ce qu'il a commencé. Ok, qui est-ce? Il s'appelle Attila. Yes. C'est un ethnographe qui travaille dans la demeure de la mer. Cette grande résidence en haut de la falaise. Ah. Ok. Tu veux la prendre? Ouais. Ah voilà. J'ai l'homme et la mer. C'est pas la mer qui a pris l'homme, c'est l'homme qui a pris la mer. Magnifique. Tiens, quand tu maintiens A, ça te montre l'objectif où il est. Ouais. C'est à toi. Il y a des cailloux ici, fais gaffe. Oh non, c'est pas vrai. Ouais. Oh putain. On se tire, on se tire, on se tire. Oh merde. Merde, putain. C'est en face. Ah bah, on y va. On doit aller de l'autre côté en fait. Il y a un pont là-bas. Attends, laisse-moi voir. Il y a la route là-bas, puis ça tourne et on traverse le pont et on y est. Ça passe crème. Ouais. Attention. Merde. Oh putain. Les armes commencent. Ils viennent de la montagne. Repousse-les en bas. Plaquage. Oh là là, ça glisse à crever, y'a plus aucune adhérence. Je pense là, que à droite. Je suis sur le bon chemin moi. Inconduisible cet engin fieu. T'es ici? T'es là? Au secours. Je cours pas, je suis en voiture. Au secours. Ah. Vas-y, on descend. Vas-y, elle est où l'entrée? Putain, vas-y, je prends le... Ok, on est... Ah oui, on pouvait rentrer en bagnole. Oh my god. Ah ouais. C'est qui celui-là? Oh putain. Grenade. Attention, grenade, les mecs. Balance du lourd, là. Oh. On va le fesser, celui-là. Voilà! Impeccable! Putain, je... Saloperie! Ah, tu m'étonnes! Putain, je le voyais. J'entrais dans le bazar là, je le voyais arriver sur moi. Eh, hey, regarde! On est chez la famille de soldats pastèques. Hein? Viens voir! Où ça? Dehors! Ah ouais! Ah nul les pastèques. Trop mal faites. Ouais. Attends. Ah bah voilà, faut aller sur la citerne. Aïe. En passant sur la citerne, ça passe crème. Quel. On y est. C'est vide ici hein. Ouais, ça pue. Y'a quelqu'un? Je le sens pas cette histoire. Oh, pareil, je recherche un truc à la The Grudge qui me sautait dessus. Là, je le sens bien. Oh, le manoir enchanté! Oh non, pas les manoirs enchanté ou hanté? Hanté. Oh putain! Oh non, non, oh c'est le bon ça. Oh non, le non, titre non. De l'épisode 18 là. Elle va pas faire dans mon pompère. Ça. Pas par là, c'est trop dangereux. Par ici plutôt, non? Ouais, regarde. Oh, la merde. Oh, ça passe. Oh putain, j'ai eu chaud là. Pour de descendre ou... Ah ouais, par le petit. Oh non. Oh non. Le petit quoi? La planchette. Moi, la planchette. Moi, je passe pas en premier. Moi, je passe pas en premier, t'es fou. Et où? Non, non, il faut monter, il faut monter. Non, par ici.
ici, un passage. Il y a une petite planche. Ah bah là, il y a juste un beau passage ouais. Là. Ah ouais, c'est ici. Où c'est la petite planche? Ici. Là, je sais pas si t'es en haut ou en bas. En bas. En bas. Ah, il y a aussi un passage là. Ouais. Il y a deux entrées en fait. Ici, il y a une grotte. Ouais. Deux entrées, deux plats consistants et. Et un dessert. Voilà. Ouais. Ouais. Et suis les lauriers. Traverse le pont, là, t'es pas du bon côté. Ah merde. Puis tu montes de laurier en laurier jusqu'à la truc en bois là. Voilà, tout droit. Puis le petit laurier sur le bois à gauche. Ah ouais, et puis comme les ça. Lauriers ici vers nous. Et là, horreur, malheur. Une grotte. Ouais. Excellent. Une grotte équipée, hein. T'as vu, il y a un spot en haut. Elle passait en premier. A mon avis, le propriétaire du manoir. Je me mets au milieu. Et comme dans les films d'horreur. Y'a quelqu'un? Oh putain, oh, non, non, moi je passe pas. Hein. Ouais, si. Tenis blanc. Oh putain, éteins la lampe, tu vois. Oh. Oh, c'est bon ça. Verk. Ouais. Moi, sûrement, tomber sur des soldats américains. Je vais pas dormir cette nuit. L'entrée de la maison hantée. La maison hantée. Excellent. Cette fois-ci, c'est une vraie. Hein. Clap mécanique. Hein, vous vouliez une maison hantée. En voilà une vraie dans Dying Light, les gars. On peut le crocheter ici. On ferait pas une sieste d'abord. Oh putain. Yo, cocktail molotov. Ah non, elle ouvre pas, Jack. Oh putain. Oh. Ah ouais, non, là j'avoue que c'est cool. Ça fait un peu peur, limite. Un peu? Ouais, c'est pas mal. Oh putain. Quoi? Ouh, va voir. À travers l'armoire là, tu sais, il manquerait plus qu'il y en ait qui fasse. Pour des vols de nuit. Bon, on rentre par où? Excellent, passage secret. Où ça? Là où est-ce qu'il y avait là. Oh putain. Oh putain, non, bah, c'est bon. Moi je reste ici, c'est bon. Et quoi, t'es pas capable de passer une caisse, couillon? Ah. Masque rituel et tout le bazar. Ouh là là. Les origines du roi Salami. Ouais, je la sens pas. T'entends ce bruit? Attends, j'ouvre la porte. Ouais, c'est celle. C'est normal celle-là. Je la sens pas. Si, c'est. On revient à la même place. C'est normal? Oh ouais. J'ai fermé l'autre porte ici. Et celle-là? Ah ouais, je l'ai fermée celle-là. T'es sûr? Mmh. Allez. Oh, putain, je l'avais pas vu. Faut monter. J'ai pas envie de monter. Ouais, je monte. Ouais, en plus, oh putain, non, je redescends. Ah, ça va, il y a une cuisine. Ouh, ça grince. Ah, hey, à fond. Hey, putain. Ah. C'est quoi ça? Y en a un qui a cassé une vitre. Oh putain. Non. Oh non. Ah non, attends, on va suivre Jack, c'est lui qui enregistre. Ouais. Oh ouais, si. Mais tu nous attends, hein, qu'on voit. Hein, ah, qu'on ça passe crème. J'ai pas vu qu'il va rien se passer, ce jeu de merde là, il faut qu'on me décevoir. T'as manque de trucs comme ça, mais j'avoue que l'ambiance est bonne là en fait. Oh, y'a un vogel pic. Bonjour. Oh putain. Oh, c'est quoi ce bruit? Ouais, tu l'entends aussi? Ouais. C'est l'orage. Ah non, c'est ça ici. Avec le vent, ouais, excellent. Et y'a une porte ici, j'ai pas envie de la déverrouiller, hein. J'attends Jack. Ouvre là, juste pour savoir. J'aime pas ça. Oh, il pleut. Bon. C'est chelou ici. C'est là, ça fait à sa croix sans le vouloir. Ah. Vous venez pour me tuer? Oh putain. Très bien. Allez-y. Fou, vous venez de me tuer? Hein? Il nous parle? Ouais, il parle. Vous venez pour me tuer? Très bien. Allez-y. Je m'appelle Kyle Crane. La mère s'inquiète pour vous, Attila. Elle m'a envoyé vérifier que vous alliez bien. Non, je ne vais pas bien. Ça se voit. Vous pouvez lui dire qu'il n'y aura pas de livre. Tronche de clic. Je ne suis qu'un vieil homme mourant, pas Indiana Jones. Mourant? Indiana Jones? J'avais demandé à la mère de vous aider? Elle n'a pas de remède. On dirait l'autre, comment il s'appelait, Jean Rochefort. Je ne peux plus travailler sur le terrain. Le problème, Pierre comme dirait Hamlet, c'est que tout part en couille. Ouais. Ah, asseyez-vous. Oh non. Monsieur Crane, prenons un verre. Alors écoutez, si c'est le travail de terrain qui vous gêne, je peux sortir à votre place. Je sais pas sur quoi vous travaillez, mais la mère veut vraiment que vous terminiez. Vous m'apporterez tout ce qu'il me faut? Bien sûr, faites une liste. Ce serait déjà très utile de me remettre l'électricité. Pour ce travail, de nombreuses nuits blanches m'attendent. Oh, je vais m'occuper du courant. Vous vous chargez du café. On se met au courant, quoi.
Ouais, mais... Carte d'or. Ah bah voilà, une maison soi-disant hantée, il y a juste un vieux plouc dedans. Ouais. Pas de plus, je suis déçu. Bon, l'ambiance était bonne, hein, mais bon. Ça aurait quand même pu se terminer par une salle avec un zombie spécial qui te saute à la gueule, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. Un peu déçu. Ça manque de ça dans ce jeu, il est terrible, mais c'est trop... trop arcade, si je puis dire, quoi. C'est du fighting non-stop. Peut-être que si... Ah. Mais ils disent de nettoyer le secteur aussi quand on rentre dans la base. Merde. Et rétablir le courant. Réparer les câbles. Ah mais ouais putain, il y a ça ici. Ouais. Bah ouais, il y avait le câble qui était sectionné. Qui a sectionné le câble? On sait pas. Ah, franchement c'est... Voilà. Faut suivre le câble. Et à chaque fois quand il met réparer le câble, ben... On repère quoi? On répare. Ah ouais, ici. Je repère. Voilà. Voilà aussi. C'est bon maintenant. Ah, maintenant faut monter. Ah ouais, ça va. Et maintenant, électrocution. Et là tu tombes comme une vieille bonne à mort là. Ah là c'est bon hein. Tout tétanisé. Ouais, faut plus qu'aller dans la barza. Et en haut ici, t'as été là en haut? Ouais. C'est bon, on va finir une quête de plus. Ouais. On avance dans Dingling Line. Quand on vous le disait. Vous êtes patienté un peu. Moi je suis monté par le... la droite sur les rochers, mais c'est un peu casse-gueule, hein, je vous dis pas. Ah, je vais lancer le groupe électrogène, ok? Leur dernier yes. album est pas mal. Attention! Et hop, une safe zone! Excellent! Donc on aura deux choses à dire à Attila. Ouais. Ah non, ah bah oui, c'est lui qu'on devait aller voir. Ouais. Ah non, c'était Bilal. Bilal! Le nom est mal. Attila! Attila est-il là? Oh, il a son PC qui refonctionne. Excellent. Hey, il utilise Casper Sky. Oui, on va boire un verre avec lui. Ah ouais. Le courant est rétabli, Attila. Et maintenant? Maintenant au travail, monsieur Crane. Je cherche des traces de la prophétie sur le dieu du soleil dans les reliques de la culture locale. Pour la mère, c'est apparemment une question de vie ou de mort. Et je ne vais pas lui demander pourquoi. Donc, il faut examiner trois monolithes anciens. Oh merde. Oula. Nous cherchons des caractéristiques précises. Vous devrez les examiner en personne et me les décrire. Omerteur. Maintenant que le courant est revenu, nous allons pouvoir rester en contact. Ah, super. Mais faites vite, monsieur Crane. Je vous en prie, je ne suis pas éternel. J'espère que t'es pas aussi relou que les deux autres guignols. Ouais. J'ai gagné de la confiance. Ouais, pareil. Une histoire inachevée. Oh ouais, donc on devrait inspecter trois lieux. Et t'as vu, on peut prendre la carte sur la table. Je vous conseille de vous munir de cette carte. Je pense qu'on va arrêter ici, non? Ouais. On va s'arrêter là. Ouais, épisode 18... Terminé. Le 19, ce sera les trois monolithes à analyser, n'est-ce pas? N'est-ce pas? J'ai pas osé. Ouais. On vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Salut.